à tous, bienvenue sur 1626 Média, ici Gaëtan. Nous sommes aujourd'hui au Cancan Café à Percy en compagnie de Caroline qui va nous parler de ce lieu atypique. Vous l'aurez remarqué, nous sommes en noir et blanc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Aujourd'hui, nous voyageons à l'occasion de ce plateau à travers les âges de la télévision, des technologies d'hier à aujourd'hui. Nous sommes donc, comme vous l'aurez compris, en direct du musée de la TV. Je suis en compagnie de Joachim. Joachim, je te laisse faire cette interview avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Joachim. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et vous ? Ça va, merci. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que responsable du Café Cancan ? Oui, eh bien, je suis présidente de l'association Cancan Café, qui est une association qui existe depuis maintenant 2 ans. Je suis à l'initiative de ce Cancan Café, mais je ne suis pas toute seule. Il y a actuellement 9 personnes au conseil d'administration de l'association. Et l'asso compte environ 242 adhérents. Bon, c'est pas environ, du coup, c'est exactement à l'heure actuelle 242 adhérents qui sont des adhérents locaux qui vivent à Percy ou dans les environs, sur le territoire de Villejuif Intercom et même parfois un peu plus loin. D'accord. Et pouvez-vous nous raconter l'histoire du Café Cancan de Villedieu-les-Poêles ? Alors effectivement, Cancan Café, ça a commencé à Villedieu-les-Poêles, à 7-8 km d'ici. Ça a commencé dans un bâtiment au cœur de Villedieu, qui s'appelle la Tour au Dauphin, qui est un bâtiment du 15e siècle, qui hébergeait au départ toutes les activités de l'association. Il y avait une galerie d'art, il y avait un coworking, une friperie, des événements qui avaient lieu soit à l'intérieur, soit dans le jardin, puisqu'il y avait un jardin à l'arrière du bâtiment. Voilà, donc Villedieu-les-Poêles, c'est là que tout a commencé. Et en parlant de ça, avez-vous un de vos meilleurs souvenirs à nous raconter de Villedieu-les-Poêles ? Alors, il y en a beaucoup, mais je dirais que peut-être un des meilleurs souvenirs, c'est la guinguette musicale que l'on organisait à Villedieu-les-Poêles, qu'on appelait Villedieu-les-Cancans. Les deux éditions qui ont eu lieu ont réuni plusieurs centaines de personnes. Et voilà, on avait un groupe qui venait, qui jouait de la musique un peu ambiance guinguette. On avait de la restauration. C'est vraiment des moments de convivialité comme on aime à en organiser avec Cancan Café. C'est l'idéal. Je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant accueillir sur le plateau Nicolas, qui est le voyageur du temps. Vous proposez une émission en 3 formats et nous allons faire un bond de 20 ans en avant et retrouver Lucas et Teddy sur le plateau 16/9e. Bonjour, je m'appelle Mathieu Fony, voilà, je suis auteur, compositeur, interprète, et voilà, je fais aussi de la photo, de la vidéo. Le studio Parachute, c'est quoi ? Le studio Parachute, ça fait 15 ans qu'on a ouvert ce studio, donc c'est un lieu pour enregistrer des groupes, des projets de musique. On a ouvert ce studio, oui, comme je l'ai dit, il y a 15 ans. Donc c'est aussi un lieu de résidence. On peut accueillir environ 6 personnes. Et ça peut. On peut y rester un jour comme 15 jours, si on veut enregistrer un titre, ou alors on peut enregistrer tout un album. Donc voilà, nous recevons les gens sur du long terme aussi. Pourquoi avoir donné ce nom-là au studio ? Alors Parachute Studio. Pour moi, alors déjà, il y a un parachute dans la grande cabine, puisque le studio se compose de plusieurs cabines. Il y a 3 cabines, plus la régie. Donc on a une grande cabine de 50 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 6 mètres. Et voilà, il fallait trouver un nom. Ça m'est venu parce qu'en fait, ce que j'imagine, c'est quand on fait de la musique, qu'on soit dans sa chambre ou ailleurs, on fait un voyage immobile. Donc j'ai eu cette idée de me suspendre à un parachute pour pouvoir voyager. Voilà. Quel genre d'artiste recevez-vous ? Oh, c'est assez,
C'est assez large en fait. Il peut y avoir du rock, du jazz, de la chorale. Alors, c'est vrai que j'ai un studio assez typé rock, pop et jazz. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, après, je vois beaucoup de choses. Voilà, j'entends beaucoup de choses aussi. À différents niveaux d'ailleurs. Voilà, des gens qui sont expérimentés et d'autres moins. D'accord. Quelles sont vos aspirations pour composer les musiques, vos chansons? Alors, ça va de Léo Ferré, Gainsbourg, Brel, Radiohead, Blur, Gabriel Fauré, Gustave Mahler. Donc, en fait, c'est très très large. Ah oui, Voilà, ça oscille dans différents styles, mais ce qui compte pour moi, c'est d'avoir l'émotion poétique en fait dans la musique. Donc, que ce soit en français, en anglais, aujourd'hui ou celle d'hier, voilà, c'est assez large quand même. D'accord. Quelle était votre motivation pour ouvrir un studio? Alors, la motivation pour ouvrir un studio, c'est vrai qu'il en faut. Parce que ça se fait pas comme ça, mais c'est vrai que depuis mon tout jeune âge, à partir de, on va dire 13 ans, j'ai commencé à dessiner des plans de studio d'enregistrement. Voilà, j'avais un parcours scolaire qui n'était pas terrible. Donc j'ai tout de suite trouvé en fait ce que je voulais faire plus tard, même si déjà à l'époque je faisais de la musique. Et donc l'idée du studio m'est toujours restée. Et après forcément, bah, dans la vie on évolue, hein, on fait pas que ce qu'on aime faire. Commencer par des petits boulots. Au début à Paris, quand je suis parti à Paris, j'ai été assistant aussi dans des studios. Donc là on commence à servir le café, on touche surtout pas à la table de mixage. Et puis après, de fil en aiguille, eh ben, on arrive à mixer des groupes, voilà, à avoir des projets dans les mains. Et après le studio, bah, ça s'est fait naturellement. Et je veux dire que je l'ai pas fait tout seul. Ma femme aussi m'a aidé puisque c'est un projet quand même assez lourd à mettre en place. Donc c'est important aussi d'être bien entouré. Donc ça s'est fait bah, en 2010 à l'occasion de la naissance de ma fille Jeanne. Voilà. D'accord. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans la chanson? Alors c'est pas évident de donner des conseils parce que chacun est différent, chacun a une motivation différente. J'ai envie de dire, faut rester tuné sur la même vision. Il faut absolument garder ce cheminement comme ça. Si on a vraiment une idée, il faut aller au bout, même si on te dit ouais, mais non, 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 tu continues, même si tu te plantes, c'est pas grave. De toute façon, c'est en se plantant aussi qu'on apprend. Oui, c'est Donc sûr. voilà, c'est surtout aller de l'avant, quoi. Eh bien, merci Mathieu d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi. Je vais passer la main à Lucas pour ton invité. Merci Teddy. Alors, je suis actuellement avec Hugo Bell, qui est actuellement sculpteur. C'est bien ça. C'est bien ça, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, en quels matériaux sont vos sculptures? Alors là, en ce moment, actuellement, je dirais depuis 7 ans, je travaille beaucoup le plâtre naturel. Je tiens à le préciser, c'est important pour moi, souvent mélangé avec du pigment noir. Et je travaille depuis à peu près 5 ans le sucre, mélangé aussi parfois avec du pigment noir. Voilà. D'accord, c'est très particulier, mais Ben c'est votre style. je peux, ouais, ben c'est deux matériaux en fait qui pour moi font écho à l'impermanence, c'est-à-dire qu'en fait ils évoluent dans le temps. Ils sont vivants, la plupart du temps je mets mes installations à l'extérieur, surtout pour le plâtre. Donc les intempéries, l'érosion, les insectes viennent les coloniser les installations et la sculpture va évoluer en fonction du temps. Le sucre est la plupart du temps mis à l'intérieur pour des raisons évidentes, bah, des intempéries. Et pour moi, en fait, voilà, ces deux matériaux-là font écho à nos conditions d'être humain, d'être vivant, tout simplement. Ce sont des sculptures qui vont évoluer dans le temps et donc faire écho à l'impermanence de tout ce qui nous entoure. Voilà. Et pour moi, c'est important de marquer ça à l'heure actuelle. On a tendance à vouloir combattre un peu le déroulement logique de la vie et vouloir devenir un peu immortel, je dirais, avec l'IA, enfin, l'intelligence artificielle, etc., etc. Voilà. D'accord, je vois, c'est très intéressant.
D'où l'idée de faire des sculptures vous est venue. D'où c'est arrivé? Moi, j'ai fait les beaux-arts à Toulouse, voilà, juste pour parler un peu de mon parcours. Je faisais énormément de peinture. Et en fait, c'est petit à petit de la peinture où j'ai basculé vers la sculpture, puis vers l'installation. Et d'où est venue cette idée? C'est qu'il y a un moment donné où je cherchais à convoquer l'espace, le corps du visiteur, son déplacement, en fait, sa respiration. Et pour moi, l'installation répondait à tout ça, quoi. Et l'in situ, je fais des installations in situ. In situ, ça veut dire que c'est fait dans le lieu, en fonction du lieu. Et ça ancre les visiteurs, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans le présent. C'est une rencontre que je propose avec les gens. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des sculpteurs ou autres métiers de l'art? Ouais. Est-ce que vous avez des idoles ou... Alors, on me pose souvent cette question et la plupart du temps, je réponds, je lance une liste comme ça, qui est évidemment des artistes qui me traversent depuis longtemps. Mais maintenant, je préférerais répondre en fait que c'est la vie de tous les jours qui alimente mon travail. Et la plupart du temps, c'est la nature elle-même. Pour moi, les arbres sont une source d'inspiration beaucoup plus grande que l'idolâtrie. Je n'aime pas beaucoup ça. Voilà. D'accord. Et si je peux juste terminer une petite chose, oui. Mais c'est que pour moi, faire des sculptures qui évoluent et qui sont vouées à disparaître, c'est aussi combattre tout ça, combattre aussi l'idolâtrie et vouloir absolument laisser sa trace sur ce monde, quoi. Enfin, ça va avec ça, mais voilà. Quelles sont toutes les étapes pour réaliser une structure du début jusqu'à la fin? Une structure, une sculpture? Une sculpture, tu veux dire? Oui. Ouais. Du début à la fin, toutes les étapes. Bah, ça dépend du travail. Celle qui est exposée là, à Cancan Café, donc qui est en sucre teinté de pigments noirs, par exemple, elle a été moulée à partir de deux modèles vivants. Donc, c'est deux personnes qui se sont enlacées. Donc il faut déjà trouver la position qui m'intéresse. Ensuite, je vais fabriquer un moule à partir d'argile crue. Donc c'est de l'argile qui recouvre entièrement les deux modèles. Il y avait à peu près 100 kg sur leurs épaules, pour vous donner une idée. Des petits trous pour respirer. Donc ça, c'est une deuxième étape, la construction du moule avec des tasseaux, etc., pris dans l'argile. Après, je viens faire une incision dans le moule pour faire ressortir les deux modèles. Les deux modèles viennent sortir du moule comme une sorte d'accouchement, comme ils peuvent, quoi. Et à ce moment donné, en fait, l'argile n'est plus soutenue par les corps. Donc elle va s'affaisser, se déformer. C'est une deuxième étape. Après, je referme le moule et je vais venir couler du sucre liquide à 140 degrés par les extrémités, par les sommets. C'est un peu une sorte de technique de fonderie un peu détournée, avec une attaque de coulée, des évents pour que l'air s'échappe. Et après, je viens ouvrir la sculpture, découvrir un peu ce qui s'est passé. Donc il y a une part d'aléatoire énorme dans mon travail. J'aime que la matière fasse sa propre histoire, ses propres accidents. Il y a l'argile qui se déforme, le sucre qui va faire ses accidents aussi. Et donc je découvre ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Et je l'accepte ou pas, parce que je peux aussi décider de recommencer. D'accord, très bien. Voilà, merci d'avoir répondu à mes questions. Je repasse la main à Teddy. Avec plaisir. Alors Mathieu, merci d'être venu. Merci à vous d'avoir invité. Je pense que vous êtes content d'être là. Ah oui, tout à fait, ouais, carrément. On voulait te faire plaisir en même temps, et du coup, on va lancer ton clip. Ah, super. Solitaire. L'hiver est sorti de sa tombe, nous rapporte sa routine. En eau profonde, le désir injecté d'insuline. Mais tu t'es noyé dans un fleuve d'amour glyphosate. Thank you.
je te fuis. Et tu t'es noyé dans un fleuve d'amour glyphosate. Bonjour à tous, j'espère que ce voyage que vous propose l'émission locale de Saint-Lô 40 ans et Granville dans l'histoire de la télé vous plaît. Et parce que les formats changent, parce que la télé évolue, nous retrouvons Valentin sur le plateau virtuel. Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau virtuel, je suis Valentin, votre animateur. Aujourd'hui, nous allons parler très légèrement du French Cancan. Le French Cancan est un mouvement du quadri, le quatrième mouvement, qui a vu le jour en 1820. L'une des personnalités les plus connues du French Cancan fut sans conteste Louise Weber, dite la Goulue. Et maintenant, un reportage de Capucine sur le café Cancan. Nous sommes de retour sur ce plateau en 4 tiers pour la suite de l'interview avec Caroline. Je te laisse la parole, Joachim. Actuellement, nous sommes à Percy. La question que j'aurais, c'est quel changement avez-vous eu en déménageant ici?
Alors, ce qui a changé principalement, c'est le bâtiment, qui est vraiment très différent de celui dans lequel on était hébergé à Villedieu. C'est un bâtiment qui a aussi un cachet architectural, puisque c'est un bâtiment des années 30, c'est une ancienne poste, donc dans un tout autre style que le style médiéval. La principale différence, c'est que c'est un bâtiment qui est plus adapté au projet, qui est plus confortable, c'est lumineux, c'est de plein pied. Voilà, on peut accueillir dans de meilleures conditions les usagers du tiers-lieu et aussi travailler dans de meilleures conditions. Et dans cet endroit si chaleureux, quel type d'événements organisez-vous ? Eh ben, au niveau des activités, ça peut changer, mais par contre, on organise davantage d'événements. On a toujours la salle café associatif. Mmh. Ça a été augmenté depuis le déménagement parce que le lieu s'y prête mieux. Il y a donc toujours la galerie d'art, un coin friperie, la grande salle de coworking pour venir travailler avec une connexion fibrée. Et puis au niveau des événements, ça va de conférences avec des journalistes qu'on invite, des auteurs. Ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des soirées karaoké, ça peut être des ateliers numériques pour se familiariser avec le numérique pour des seniors, par exemple. Ça peut être des ateliers artistiques, donc c'est vraiment très varié. Le but, c'est vraiment de proposer un panel très large d'activités et de fédérer tout le monde localement. Très bien. Et visez-vous un public en particulier, d'après ce que j'ai compris? Alors, effectivement, le premier public, ce sont les locaux, toutes générations confondues, ça c'est important, tout public, plutôt locaux, donc ça va des enfants aux personnes âgées en passant par les actifs, que ça soit des artistes, des entrepreneurs, des gens qui ont du temps, moins de temps, qui viennent pour les expositions d'art, pour les activités, les concerts, voilà. Le but, c'est vraiment de proposer pour tous les goûts et de mélanger un maximum pour qu'il y ait une mixité qui s'opère ici à Cancan Café. Et comment voyez-vous l'avenir justement du Cancan Café ? Alors l'avenir, j'espère que ce sera que l'on puisse pérenniser l'activité actuelle et tous les événements que l'on propose pour le moment. Et puis ça sera, j'espère, d'augmenter en nombre et en qualité encore la programmation qui est déjà existante. Par la suite, comme le Cancan Café, c'est aussi un projet qui est lié à Cancan Média, qui est en fait le volet média et formation au journalisme de Cancan, parce que je suis moi-même journaliste et en fait c'est mon cœur de métier. Je propose moi-même des ateliers d'éducation aux médias et j'espère que par la suite le volet formation, sensibilisation, éducation aux médias va prendre de l'ampleur aux côtés de la programmation culturelle de Cancan Café, parce que c'est quand même ça l'ADN de Cancan, c'est café, médias, école et pourquoi pas une école de journalisme en milieu rural, à Percy ou dans les environs. Ça, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'école de genre en Normandie. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Joachim. Et je passe la parole à Nicolas. Eh bien voilà, j'espère que cette visite de l'histoire de la télé vous plaît. Je voulais remercier le Cancan Café de nous accueillir. Et je voulais aussi remercier Culture et Nature, l'association qui nous accompagne depuis maintenant 6 ans à la réalisation audiovisuelle, à l'éducation aux médias. Voilà, nous sommes aujourd'hui à Percy avec la mission locale de Saint-Lô 40 ans et de Granville. Nous vivons une aventure, enfin les jeunes vivent une aventure assez extraordinaire, je dois dire. Chaque année, on dépasse nos exigences, on dépasse nos projets, voilà. Et je vais redonner maintenant la parole à Maxence et à Kevin sur le plateau 16/9e. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin et je suis en compagnie de Maxence. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Maxence ? Bah ça va et vous ? Ça va très très bien, toujours pour parler d'art et de culture, mais cette fois-ci en compagnie de Monsieur Lemal, Bernard Lemal. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Je vais très bien puisque je suis avec vous et que je fais votre connaissance. Merci. Et en compagnie de M. Gonzalez, Xavier Gonzalez. Comment allez-vous ? Très bien. Il fait très beau, donc c'est parfait. Je vais commencer tout de suite par vous, M. Lemal.
Vous êtes vice-président à la Comcom en charge de la culture. Mais pour vous, c'est quoi la culture ? Ah, j'attendais toutes sortes de questions, mais pas exactement celle-ci. Eh bien, je vais faire petite approche historique et philosophique, 2 secondes seulement, 2 minutes, mettons. Les anciens considéraient qu'on pouvait manipuler les gens avec du pain et des jeux. À l'époque des Romains, c'était une théorie qui a été pratiquée par d'autres, qui a été largement développée dans des ouvrages. Et en fait, on donne des jeux vidéo et des bonbons, et normalement, les gens ne nous embêtent pas, ils ne manifestent pas. Et si on leur demande de voter, en plus, si ça se trouve, ils votent bien. Donc on peut manipuler les gens. Et par rapport à ça, il y a une sorte de réflexion qui est que on peut peut-être, avec la culture, donner des moyens aux gens de communiquer entre eux, de s'interroger sur leur vie sociale, sur leur environnement, et d'être maître de leur destin, au lieu d'être seulement des consommateurs de jeux vidéo et de bonbons. Très bien. Pour vous, le Cancan Café, c'est quoi ? Alors, c'est un partenaire. D'abord, c'est une aventure que personnellement, j'ai découverte sur Villedieu, avant d'être vice-président à l'intercommunalité. Et c'est un lieu agréable par son histoire, agréable par son architecture. Je parle de celui de Villedieu que j'ai connu, hein, donc le bâtiment que Carole présentait comme un bâtiment du 15e, et qui est un bâtiment intéressant. Et pour un certain nombre de raisons, Cancan est arrivé ici. Mais en dehors de la géographie et de l'architecture, c'est d'abord un projet magnifique qui permet de rompre l'isolement dans un territoire de petite taille et de faible densité démographique, et qui permet d'offrir des animations, des expositions et des échanges. Alors des échanges avec des artistes comme la céramiste, je ne sais pas si ses œuvres sont encore là. Il y avait des œuvres d'une céramiste. Il y a la statue de l'autre côté de Hugo Bell. Voilà, il y a de belles possibilités d'amener à la culture des gens qui, sur place, peuvent découvrir des œuvres. Très bien. Quel est votre programme de 2024-2025? Quel est le programme? Ah, ça va être un peu compliqué. En fait, nous essayons de modifier les choses en mettant l'accélérateur. On essaie de mettre un turbo sur la question de la culture. Globalement, quand j'ai été élu vice-président, le projet, donc en avril, le projet que nous avions, le président de Villedieu Intercom, Charlie Varin, qui est le maire de Percy par ailleurs, et moi et l'ensemble des autres vice-présidents, le projet était de faciliter l'accès des gens à la lecture en développant les médiathèques et en mettant en place un projet exigeant sur les médiathèques pour que n'importe qui puisse y venir n'importe quand, enfin quand c'est ouvert, et y rencontrer des gens, emprunter ou non des livres, peut-être lire le journal, peut-être prendre un café. Donc on va révolutionner un peu le fonctionnement des médiathèques et la relation aux livres. Et puis après, on a aussi un autre projet qui est de repenser l'école de musique, hein, qui est dans des locaux qui ne sont pas satisfaisants, qui ne sont pas confortables. Et il faut donc améliorer les choses. Et là aussi, il va falloir avoir une vision beaucoup plus dynamique, certainement, avec des enseignants qui sont compétents, mais qui sont dans de mauvaises conditions, enfin, ou en tout cas pas dans de très bonnes conditions. Et puis continuer d'appuyer le cinéma, puisqu'à Villedieu, on a la chance d'avoir un cinéma, une salle de spectacle, dans laquelle on peut aussi faire un peu de théâtre, mais surtout du cinéma. Et c'est un cinéma d'art et d'essai, qui fait que, eh bien, sur l'espace de Villedieu Intercom, qui est une petite intercommunalité de 15 000 habitants, on a capacité à offrir des ressources culturelles intéressantes. Très bien. J'aimerais avoir votre avis sur ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes les jeunes en train de faire, en train de monter ce plateau d'art et culture. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Quand j'ai appris ce qui allait se passer, j'ai été emballé parce que dans une vie antérieure, avant d'être maire de ma commune et vice-président à Villedieu Intercom, j'ai été proviseur de grands lycées dans différents endroits, y compris à l'étranger. Et l'apprentissage des techniques de communication, au-delà de la technique, c'est aussi un retour sur soi. Je pense qu'au terme de cette journée de travail, vous allez vous connaître mieux, vous connaîtrez mieux vos difficultés à communiquer. Vous aurez surmonté un certain nombre de vos difficultés à communiquer et vous aurez gagné beaucoup en confiance en soi, mais également dans la qualité de la relation avec les autres.
Alors, j'ai regardé avec vos camarades là, qui étaient aux manettes et qui zoomaient et dézoomaient. J'ai vu le plaisir qu'ils y prenaient. C'est la preuve qu'avec de bons intervenants comme Culture et Nature, avec un lieu un peu emblématique comme Cancan, et avec une mission locale investie, eh bien, on a la possibilité non seulement d'apprendre, de construire son avenir, mais en plus de prendre du plaisir. Donc voilà, je trouve que c'est magnifique. Merci, monsieur Lemal. Je laisse la parole à Maxence. Merci. Qu'est-ce que l'usine utopique ? Qu'est-ce que c'est l'usine utopique ? Bah, c'est un autre nid, un objet culturel non identifié, je dirais. Voilà, que ça fait 15, ça va faire 15 ans qu'on s'est installé à Tessy, Tessy Bocage. Et donc dans des anciennes serres horticoles, et c'est un lieu culturel dans lequel il y a des artistes en résidence, des écrivains, on essaye d'organiser des festivals, on essaye d'apporter la culture dans un territoire qui avait pas grand-chose. D'accord. Comment avez-vous eu l'idée de créer l'usine utopique ? Bah, l'idée, il y a eu deux phases. Ça veut dire que moi-même, je suis artiste. Donc, à un moment donné, quand on s'installe dans un territoire, et on voit que quel territoire il est assez pauvre culturellement. Soit on s'enferme à continuer à faire son travail personnel, ou soit on s'intéresse à s'impliquer et à essayer de partager la culture. Donc, j'ai eu cette double casquette-là, de me dire, bah, en même temps que j'y travaille pour moi, je vais essayer de partager aussi et faire que dans ces territoires ruraux qu'on a, qui sont très beaux, des très beaux lieux dans lesquels on se sent très bien pour travailler, aussi de leur faire consommer de la culture. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que toujours, on dit que la culture, c'est pour les grandes capitales, pour les grandes villes. Et les gens qui habitent ici, les fermiers à côté, les gens qui habitent dans le milieu rural, eux, ils n'ont pas le droit à la culture ? Non, je ne suis pas d'accord. Donc, je me suis investi et j'étais à fond pour créer l'usine utopique. D'où vient le nom de l'usine utopique ? Parce que usine, ça veut dire, usine, on va dans ces mots-là, que ça nous relie aussitôt au travail. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps, on dit, oh, bah, de toute façon, les artistes, ça ne travaille pas, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas. Et donc, j'ai voulu mettre ces mots-là de l'usine pour vraiment montrer quel travail d'un artiste aussi, c'est, voilà, il est derrière des concepts, un travail vraiment sur la matière, une implication, et donc le mot l'usine, il vient de là. Et utopique, parce qu'on est dans une société vraiment qui, ça devient très utopique, et l'art, il fait partie de cette utopie-là dans nos sociétés, donc usine utopique, ça me paraît assez pertinent. D'accord, merci. Pour 2024-2025, quel est votre programme ? Le programme, c'est de continuer à partager la culture, de continuer à donner des envies, de continuer à l'éducation, parce que je me suis rendu compte que l'éducation, il faut la commencer dès le plus petit, avec les enfants. Je me suis rendu compte de ça avec l'usine utopique. Ça veut dire que j'ai pu monter des super expositions et les gens, toujours, ils ont peur de franchir la porte. Pourquoi ils ont peur de franchir cette porte-là ? Parce qu'ils se disent, est-ce qu'il y a dedans, ce n'est pas pour moi. Je ne vais pas le comprendre. Et ces questionnements-là qui se posent, ces barrières-là qui se posent les gens, ces barrières-là, c'est l'éducation. Et donc, pour moi, la priorité à l'heure actuelle, c'est de commencer dès le plus jeune âge à vraiment apporter la culture. Et là, on vient de sortir depuis cette année un nouveau outil, hein, que c'est le camion, le MOM, c'est un camion galerie dans lequel je vais dans toutes les écoles élémentaires du territoire. Je viens ici à Percy, Bildieu, dans tout le territoire, je vais dans les petites écoles, et c'est avec une exposition itinérante dans laquelle
depuis la maternelle jusqu'au CM2, avec cette exposition-là, on monte des ateliers d'art plastique, on fait une pédagogie, on forme les instituteurs et les institutrices à des ateliers d'art plastique. Ça veut dire que tout ça, à long terme, je pense que ça payera, parce que à l'heure actuelle, avec nos systèmes d'éducation nationale, les élèves, ils sont confrontés à les arts plastiques par première fois quand ils arrivent à la sixième. Avant, s'ils n'ont pas eu un super maître ou une super maîtresse, les arts plastiques, ils les touchent pas. C'est pour ça que pour moi, c'est une priorité de commencer dès le plus jeune âge pour après arriver à faire passer le message de que la culture, c'est pour tous. D'accord. Bah, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah, merci à toi de m'avoir posé ces questions. Maxence, et merci Kevin, et merci à vous de vous être prêté à l'exercice. L'émission se poursuit à travers l'histoire de la télé. Nous sommes installés pendant 3 jours au Cancan Café à Percy, en Normandie. Les jeunes des missions locales de Saint-Lô 40 ans et de la mission locale de Granville vont travailler pendant 3 jours à produire des émissions audiovisuelles. Demain, sur la filière équine, et jeudi, sur le bassin d'emploi de Percy, le bassin d'emploi de Villedieu Intercom et de Saint-Lô Agglomération. Voilà, je vous invite à nous y retrouver. Et en attendant, je passe la caméra à Valentin en chair et en os sur le plateau virtuel. Merci Nicolas pour cette petite transition. Nous revoici donc sur le plateau virtuel. Et je vais vous faire une courte... un court synopsis sur le film Le Moulin Rouge de 2001, réalisé par Baz Luhrmann avec Ewan McGregor et Nicole Kidman. Donc voici le synopsis. Christian, jeune poète d'une vingtaine d'années, se retrouve, déménage à Montmartre, dans le quartier de Montmartre, tout simplement, pour. Car il rêve de spectacle. Voici. Et j'ai pas la suite, je suis désolé. Voici. Donc Christian, poète, veut écrire une scène. Et donc il rencontre Toulouse-Lautrec. Et c'est tout. Merci. De retour sur ce plateau 4 tiers pour terminer avec ce plateau qui touche bientôt à sa fin. Nous recevons encore une fois Caroline qui nous accueille au sein de ce lieu et Nicolas, l'homme des temps qui traverse les temps aujourd'hui. Une petite dernière chose avant de terminer ce plateau, on se retrouvera demain
à 16h sur cette chaîne 1626 Média pour parler des métiers de la filière équine. Caroline, Nicolas, une petite dernière question. Comment vous avez vécu cette expérience? Quel est votre dernier mot pour finir ce plateau? Moi, je suis ravie d'accueillir les jeunes de la mission locale pour ce projet de plateau web télé, parce que c'est vraiment en phase avec ce qu'on essaye de faire ici, c'est-à-dire de créer un lieu de vie, et le fait que les jeunes de la mission locale se soient appropriés le lieu Cancan Café, ça, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Donc j'espère que c'est une première ici, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, pourquoi pas. Nicolas. Bah écoutez, moi je suis ravi une fois de plus. Les jeunes ont montré qu'ils étaient capables de se dépasser, de traverser les âges. Voilà, ils nous font faire des choses assez incroyables, hein, à l'image de ma veste aujourd'hui. Très joli. En tout cas, voilà, moi je suis encore une nouvelle fois très fier de ce que vous avez réalisé, très fier de cette émission. Il y en aura d'autres demain et après-demain, et en tout cas je vous remercie et je remercie le Cancan Café de nous avoir accueillis. Eh bien, merci à vous pour ces beaux mots pour finir ce plateau. Merci à tous, que ce soit à la régie, merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain sur 1626 Médias.